Bonjour les filles, je vous retrouve encore pour un petit haul et sans cicatrice comme d'habitude. J'ai été dans un autre Kwidvat que celui que je vais d'habitude. J'ai été à Bastogne près de chez ma maman et il y avait des produits qu'il n'y a pas dans le mien. Enfin, oui, il y a des produits qu'il n'y a pas dans le mien et il y a aussi plus de choix dans ceux que je trouve à Arlon. Donc je me suis un petit peu lâchée. Enfin non, j'ai été raisonnable en fait. Je vous montre ça tout de suite. Donc comme d'habitude, je ne vais pas vous dire les prix, mais tout est entre 1 euro et 3,50 euros. 4 euros, entre 1 et 4 euros. Donc j'ai d'abord pris des patchs comme ça pour les ongles en gel. Donc j'ai pas encore pu tester. Je vous dirai ce que je vous montrerai. Je vous mettrai une photo pour vous montrer ce que ça donne. Mais la dentelle était c'était mignon. Donc voilà. Il y a 14 pièces de 7 tailles différentes. J'ai aussi pris le pinceau liner parce que je n'avais pas et j'ai pas de pinceau liner du tout d'ailleurs, à part celui de chez Rue Technique que je me sers pas. Voilà. J'ai également pris un aimant pour les vernis magnétiques qui fait un zigzag comme ça. Ouais, je crois que ça c'est 99 centimes, 99 centimes donc pourquoi se priver? J'ai pris également, il y avait la collection Floral Grunge de chez Essence. J'ai pris juste le blush parce que les fards à paupières ne m'intéressaient pas. Qui est comme ceci. Et c'est la teinte 01 Bi Flower Fall. Bon, en même temps, il n'y en a qu'un. Donc, de cette collection-là, il n'y en a qu'un. Voilà. J'ai été sage, je ne me suis pris que un rouge à lèvres que je n'avais, qui avait pas à Arlon d'ailleurs, chez Catrice. C'est le Matte 250 Matte à Body Pink. Qui est magnifique. Ouais, il est sublime. Voilà. Je me suis pris trois petits pigments. Donc j'ai pris le 11 Cotton Candy, qui est un rose irisé, rose champagne un peu. Un peu couleur barbe à papa. Hein. Par contre, celui-ci, comparé aux autres, il n'a pas la protection au-dessus. Donc, je vais vous faire un swatch. D'abord, le refermer avant de faire une catastrophe parce que je me connais. Donc, il est ici. Très discret mais très lumineux, pas été lumineux. Voilà, j'ai pris le 16 Blueberry Muffin, donc c'est celui que je porte aujourd'hui, qui est un mauve, et le blush aussi, c'est celui de la collection que je viens de vous montrer. Alors celui-ci, il a la protection, mais je viens de m'en servir et j'en ai juste foutu quand même partout parce que le truc s'est barré. Donc je vais récupérer les jutes. Bon, c'est un peu plus. C'est juste une catastrophe quand on l'ouvre. J'ai eu un pouls défectueux. Voilà ce qu'il donne. Et ensuite, j'ai pris le 22 It's a Boy, qui est un bleu ciel, donc un bleu gris. Je n'ai même pas encore swatché celui-là. J'ai même pas encore ouvert.
Les violets, c'est atroce, je m'en suis foutu partout. Et il est magnifique. C'est trop beau. Voilà. Je vais nettoyer la main pour les quatre fards à paupières qui restent. Vous voyez, j'ai été sage. Je me passe quatre fards à paupières. Deux essences, deux catrices. Alors, je vais déjà vous montrer les catrices. Donc, j'ai pris celui-ci, le 550 Sour Heat Anglo Tube. Qui est comme ceci. Il est beau. Voilà ce que ça donne. C'est un très beau beau bleu foncé. Magnifique. Bon, je vais faire vite parce que les esprits commencent à s'échauffer à côté. J'ai pris le 640 Don't Touch My Maserati. Je crois qu'à partir de maintenant, je vais même plus essayer de vous citer les noms parce qu'avec mon superbe accent anglais. Qui lui est un vert très cerisé aussi. Suis obligée de régler les spots. Voici ce qu'il donne. Et magnifique. Et au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, en ce moment c'est les bleus et les verts. Hein. Je passe vite aux deux essences avant que ça commence à faire trop de bordel. J'ai pris le 66 Peppermint Ice Cream. Il est juste sublime aussi. Qui est un verre d'eau comme ça mat. Et le dernier, j'ai pris 69 I'm Here I Am. Here I Am. Qui est un bleu plus soutenu. Bleu turquoise, je dirais. Ah, il est trop beau. Et voilà à quoi il ressemble. Donc voici les quatre fards à paupières, les deux essences et les deux catrices. Et sur ce, je me dépêche de vous dire au revoir avant que vous ayez les tympans percés par les voilà. A très bientôt, gros bisous.